Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le château de Mauvezin. Ce château fort a été bâti au XIe siècle par les comtes de Bigorre. Il a été reconstruit par Gaston Phoebus vers 1380. Il reste dans la famille des Béarnefois qui deviennent plus tard rois de Navarre. Et ainsi passe à Henri IV. Il tombe en désuétude après le rattachement de la Bigorre au royaume de France en 1607. C'est la fin des châteaux forts à vocation défensive. Il fut démantelé petit à petit, ses pierres servant alors pour d'autres constructions. Le château est en cours de restauration et abrite un musée historique et folklorique du Béarn et de Bigorre. Aujourd'hui, le château de Mauvezin, avec son enceinte et son donjon quadrangulaire, est un exemple caractéristique de l'architecture militaire méridionale. Le donjon de 37 mètres de haut possède des murs de 3 mètres d'épaisseur. Ils sont construits en grande partie avec des cailloux de roulés de Larosse. Les murailles de la forteresse forment un quadrilatère rectangle de 35 mètres de côté sur 15 de haut. Depuis les hauteurs des remparts, on peut admirer la magnifique chaîne des Pyrénées. Le château et le donjon de Gaston Phoebus ont été inscrits au monument historique en 1941. Le château de Mauvezin conserve la bibliothèque de l'Escola Gaston Phoebus.